Alors, nous allons écouter maintenant Anne Brun, qui est professeure à Lyon 2, au Centre de psychologie et psychopathologie clinique, dont elle assure la direction depuis quelques années maintenant. Et je suis particulièrement heureux que Anne vienne, parce que nous nous connaissons, bien entendu, depuis quelques années maintenant. Nous avons travaillé ensemble tous les deux au CRPPC. Et Anne gère avec Bernard Chouvier notre groupe de recherche sur la création. Et c'est un groupe auquel, bien entendu, Anne et Bernard Chouvier m'ont demandé de m'associer, ce que j'ai fait avec grand plaisir et bien volontiers. Et je voudrais souligner que Anne est l'auteur d'un certain nombre de travaux. Elle vient de publier un livre sur aux origines de la création, je crois, hein, chez RS, dont vous trouverez des exemplaires sur la table. Mais Anne s'intéresse aussi aux méthodologies cliniques et elle a entrepris tout un travail pour essayer de comprendre comment on pouvait évaluer la question des psychothérapies. Alors vous savez que c'est une question un peu compliquée, nous sommes un peu assiégés, Olivier Voirol parlait tout à l'heure des Gaulois assiégés, mais c'est vrai que nous autres cliniciens, nous avons du mal à penser évaluation. Qu'est-ce qui fait qu'un patient va mieux, sur quels critères peut-on dire qu'un patient se sent mieux dans sa vie, dans sa tête, etc., dans son corps, après une psychothérapie de type clinique. Et il y a une certaine réticence à mettre en place des outils, entre guillemets, d'évaluation. Eh bien, Anne, avec beaucoup de fermeté, de courage, s'est colletée à cette question et elle a créé une grille d'évaluation, en particulier centrée sur les enfants autistes. Tu as beaucoup travaillé sur la question des enfants autistes. Donc, elle fait partie de cette génération de cliniciens, de psychanalystes, qui affrontent ces questions et qui permettent à la psychanalyse de se maintenir. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, nous sommes attaqués, les psychanalystes, quelle que soit leur orientation, sont attaqués de toutes parts parce qu'on est flou, au mieux on est des poètes, au pire on est des charlatans. Mais ce qu'on sait, depuis le nombre d'années que les psychanalystes fonctionnent, c'est que, bien sûr, on ne réussit pas à tous les coups, mais quand même, il y a des transformations, il y a des changements, et on peut dire que, un peu à la manière de Georges Marchais quand il parlait des pays communistes, le bilan est globalement positif. C'est-à-dire que quand même, le travail psychanalytique, ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose parfois, pas dans l'immédiat, mais dans l'après-coup. C'est-à-dire que les choses vont continuer à cheminer chez les patients. Donc Anne fait partie de ces cliniciens, de ces psychanalystes qui travaillent sur ces questions et essayent de mobiliser les cliniciens autour de ce type de problématique. Et puis, Anne s'intéresse, comme moi, à la création littéraire. Et en particulier, elle a beaucoup travaillé sur un auteur qui n'est pas facile d'abord, c'est Henri Michaux. Et Anne a publié un livre sur Henri Michaux. Alors si vous connaissez un petit peu Henri Michaux, c'est un auteur qui a beaucoup utilisé de substances hallucinogènes. Hein, le peyote, il me semble, ou le LSD, je crois que c'était le peyote. Là, tout. Y compris le tétrahydrocannabinol, traumatisme, honte et culpabilité. Il consommait aussi pas mal de ce genre de choses. Et donc Anne a entrepris quelque chose, et puis elle s'est intéressée à d'autres auteurs, comme Thomas Bernard en particulier. Et donc elle a toute une théorie de la création littéraire, des origines de la création littéraire. Je suis particulièrement heureux qu'elle veuille bien aujourd'hui intervenir en essayant de reprendre mes modestes contributions autour de cette question de la littérature. Merci Anne. Merci Alain. Je ne suis pas la seule à avoir toute une théorie de la création littéraire parce que c'est de ta théorie de la création littéraire dont on va parler aujourd'hui. Alors je vais parler d'Alain Ferrand, moins du côté de l'humour, que de son côté explorateur infatigable de ce qu'il appelle les naufrages de l'origine. Toute l'œuvre d'Alain Ferrand, elle puise son inspiration chez les grands créateurs et toute sa pratique clinique, elle va éclairer en miroir les processus de création. Alors tu l'as rappelé, je ne dirais pas comme toi qu'on t'a associé au travail du réseau Création. Tu as été un des premiers fondateurs dans notre centre de recherche à Lyon 2 du réseau Création. Et depuis, tu as accompagné tous les colloques en France et à l'étranger depuis 15 ans.
Alors, une constante chez Alain, ses auteurs de prédilection, ce sont toujours des écrivains pour lesquels le processus créateur, il apparaît comme une tentative de survie psychique par rapport à une sorte d'hémorragie de la douleur. Alors, je les cite, Maupassant, Rimbaud, Camus, Les Hôtels, Sandrard, Nelly Arcand. Et ce qu'il aime particulièrement, ce sont les auteurs réputés maudits, comme Céline, comme Paul Morand. Alors, je vais vous proposer de voir comment il passe des auteurs de l'extrême aux cliniques de l'extrême et comment son œuvre ouvre sur une clinique du processus créateur, de la clinique de l'œuvre à la clinique du style. D'abord, Alain Ferrand, c'est fondamentalement, et ça l'est aussi dans son approche psychanalytique des œuvres, un musicien. Il écoute l'œuvre et il l'interprète pour nous à partir de la musique de la langue. Cette musique d'Alain Ferrand, je vais tenter de m'en faire le porte-voix, ou plutôt la ventriloque, parce qu'Alain aime citer cette phrase de Céline, « Écrire, c'est mettre ses tripes sur la table ». Ce qui l'intéresse, c'est essentiellement cette écriture du tripal, la corporéité du texte, sa chair phonique, comme dirait Antonin Artaud. Et Alain Ferrand, sur les sentiers de la création, ça a été souligné par tout le monde, c'est quelqu'un qui chemine librement, sans le fardeau de son savoir universitaire sur la psychopathologie. À aucun moment, il ne va avoir l'outrecuidance de plaquer sa grille psychanalytique sur l'œuvre. Non, sa démarche, elle est beaucoup plus modeste. Il va moins théoriser l'œuvre qu'il ne va l'écouter en analyste. Et du coup, sa démarche va aboutir, on va le voir, à une authentique clinique du processus créateur chez l'artiste, une clinique qui ne doit absolument rien à une quelconque psychanalyse appliquée. L'œuvre, il ne l'interprète pas d'emblée du haut de sa sagacité d'analyste, calé confortablement dans son fauteuil, du haut de sa bienveillante neutralité. L'œuvre, il la rencontre au corps à corps avec le texte, à partir des effets produits par l'œuvre sur son propre inconscient. Il se laisse d'abord analyser par l'œuvre, et comme l'écrit André Green, l'analyste, avec Alain Ferrand, il est d'abord l'analysé du texte. Alors je porte sa voix, je vais vous le donner à entendre. Alain Ferrand parle. Le psychanalyste a depuis longtemps renoncé à interpréter l'artiste par le biais de son œuvre. Il ne considère plus l'œuvre comme un symptôme ou comme un compromis qu'un examen attentif permettrait de décoder. Il ne vise plus l'élucidation de l'Œdipe ou de l'homosexualité du créateur. La situation s'est inversée. C'est désormais l'amateur qui cherche à se décrypter lui-même à travers l'œuvre. L'œuvre est un analyseur du monde interne. Alors, vous l'avez entendu, il ne s'agit donc pas de figer l'œuvre dans une unique vérité définitive, l'Œdipe ou l'homosexualité du créateur. Il ne s'agit en aucun cas de faire la course au fantasme originaire. Il ne s'agit pas d'aller débusquer des contenus inconscients ultimes, des organisateurs en quelque sorte structuraux de l'œuvre. Il n'est pas non plus question pour lui de considérer l'œuvre comme le symptôme d'une quelconque psychopathologie de l'artiste, et encore moins de pathologiser le créateur. Son approche psychanalytique de la création, c'est son fondement, c'est une méthode. D'abord, il renonce à tout l'arsenal de la psychopathologie, à tout ce qu'il a appris, à tout ce qu'il enseigne, pour laisser advenir en lui les échos imprévisibles de l'inconscient. Et c'est un renversement total de perspective par rapport au concept de psychanalyse appliquée à l'œuvre. Au contraire, avec Alain, on voit comment l'analyste est fondamentalement travaillé par l'œuvre d'art. Je reprends ces expressions. Le psychanalyste a depuis longtemps renoncé, dit-il. Il ne considère plus l'œuvre, il ne vise plus. Ces quelques mots, sans fioritures inutiles, ils prennent en fait l'accent d'un pamphlet contre tout un arsenal psychanalytique qui a fait long feu, contre une langue de bois psychanalytique dont je vais vous donner un écho. Je vais parler d'une spécialiste de la création, hein, aujourd'hui décédée, il vaut mieux prendre quelqu'un de décédé, je la cite. L'œuvre est un aboutissement sublimé d'un développement psychosexuel supposant un accomplissement de la génitalité avec des sexualisations dans le processus créateur.
Je vous fais grâce de la suite. Alain Ferrand, lui, il amorce. C'est Jeannine Chasseguet-Smergel. Je ne voulais pas le dire, mais si tu me demandes, c'est bon. Donc Alain, il amorce tout un travail de sape de cette langue de bois psychanalytique. Et il utilise une langue infiniment plus poétique et évocatrice. Avec lui, pas de ces mots plâtres, mots glu, mots béton, mots ventouse, mots prison, pas de mots terroristes de la psychanalyse. Alain Ferrand, il met un bonnet rouge au vocabulaire de la psychanalyse. Tohu-bohu dans la langue de bois. Et si la situation s'inverse, comme il l'écrit, c'est qu'avec l'œuvre va surgir le non encore advenu de soi. L'œuvre d'Alain Ferrand, elle nous ouvre d'abord à l'énigme, à une tentative de donner une forme à ce qui, en nous-mêmes, est infigurable. Le processus créateur, il apparaît comme une seconde voie royale. Ce n'est plus le rêve, c'est le processus créateur qui nous permet d'explorer l'inconnu, l'étranger en nous, qui nous permet de naître enfin à nous-mêmes. Et comme dans la cure analytique, bien sûr, il y a tout un écho avec son travail d'analyste, il met l'accent plutôt sur les processus que sur les contenus inconscients, matriciels, organisateurs de l'œuvre. Donc, dans son approche psychanalytique du processus créateur, il va d'abord se présenter comme un historien de la psychanalyse. Et il va situer la singularité de sa démarche, ça a été dit, d'abord dans le contexte d'une lecture critique de Freud. Alors Freud, vous le savez, il a abordé le processus créateur de l'œuvre comme une mise en scène des désirs refoulés, des fantasmes inconscients du créateur. Alain Ferrand va rappeler, et il va citer un auteur qui lui est cher, Jean-Luc Donnet, il va citer que Winnicott a introduit ce que Jean-Luc Donnet appelle une coupure épistémologique invisible par rapport aux théories freudiennes. Parce que Winnicott va ouvrir la voie, par sa théorie de la transitionnalité, à une approche du processus créateur qui n'est plus seulement fondée sur une théorie de la sublimation, mais sur la problématique originaire du trouver-créer. Aux origines, selon une formulation de René Roussillon qu'Alain Ferrand cite, non plus le sexuel, mais le besoin de créer. C'est la problématique de la création qui va ouvrir celle du sexuel et non plus l'inverse. Je en arrive à la profonde originalité du travail d'Alain Ferrand. Il va explorer, à partir des auteurs dont je vous ai parlé, un continent noir de l'approche psychanalytique freudienne de la littérature. Et ce continent noir, c'est la question du style. On sait que Freud a parlé du style en disant que pour l'écrivain, c'était une simple prime de plaisir, que l'auteur nous enjôlait, je cite Freud, par un gain de plaisir purement formel, c'est-à-dire esthétique. Autrement dit, pour Freud, la forme ne servirait qu'à voiler tout le déplaisir qui est associé au retour des contenus inconscients. Alors, Alain Ferrand, il a une autre idée, dans la lignée de Didier Anzieux, qui a pensé le corps de l'œuvre en lien avec le corps du créateur. Didier Anzieux dit que l'œuvre, elle est composée à partir de la projection des sensations corporelles du créateur. Et l'hypothèse centrale d'Alain Ferrand, ça va être que l'auteur ferait ressentir par le style le climat des premiers échanges avec le corps maternel, des premiers contacts avec l'objet, c'est-à-dire toutes les modalités de présence de l'objet primaire, comment le sujet, futur auteur, a été touché, a été vu, a été entendu, a été senti. Et il va inscrire cette perspective dans la logique du retournement propre aux souffrances narcissiques, retournement passif-actif. Le clinicien est toujours là. Autrement dit, ce que l'auteur a vécu passivement, il va le faire vivre activement à nous, les lecteurs. Je cite Alain. « Mais ce retournement ne passe ni par le contenu, ni par la description d'une scène, ni par la mise en œuvre de personnages spécifiques. Le retournement s'effectue en acte. En ce sens, il est paradoxal. Il est à la fois marginal et central. Marginal, puisqu'il ne concerne pas le récit en lui-même. Central, parce qu'il est l'enjeu même du travail d'écriture. Le style révèle une part non subjectivée de l'être. » Fin de citation.
Alors vous voyez comment le style devient une tentative désespérée de faire advenir dans la langue les vécus d'agonie primitive, comme dirait Winnicott, dont le sujet s'est retiré. Le style devient le dernier souffle de l'écrivain, son souffle ultime pour incarner ses souffrances catastrophiques en quête de subjectivation. C'est pourquoi, selon Alain Ferrand, Céline, Proust, Sandrard, ce sont des auteurs qui, je le cite, font sortir la phrase de ses gonds. Et le point central de ces travaux, il tourne autour de la question, donc je vous l'ai déjà dit, du retour à corps premier, mais c'est encore beaucoup plus subtil. Ce qu'il interroge, c'est l'énigme du lien premier entre la mère et l'enfant, perdu à jamais, mais miraculeusement retrouvé dans le corps du texte. L'originalité d'Alain Ferrand, elle va consister justement à ne pas se borner à la rêverie classique des psychanalystes autour du fantasme de retrouvailles avec le corps maternel, notamment dans la poésie, retrouvailles avec le chant originaire maternel, comme dit Monique Schneider, bercement mélodique au cœur de tout poème. Alain Ferrand, il est bien au-delà de ce romantisme de l'écriture. Ce qu'il explore, c'est la réalité historique de ce corps à corps. Corps à corps qui peut être aussi pétri par la haine maternelle, ou par sa froideur, ou par son insensibilité, ou par sa violence. Il aborde ainsi un autre continent noir, particulièrement interdit, celui des haines passionnelles entre la mère et l'enfant. Sous la musique du style, l'affolement du désaccordage premier des rythmes, la stridence, la rape des mots, la dissonance, l'écorchage, l'arrachage de peau, l'étouffement, l'étranglement, la pulvérisation. Je vais vous donner un exemple de sa façon de nous donner à sentir dans le corps de la langue, dans le concassement des mots et de la syntaxe, cette disjonction première du rythme. Et je vais vous parler d'un des derniers auteurs qu'il nous a fait découvrir, Nelly Arcand, une des dernières auteures, hein, voilà, comme on dit actuellement, dont l'œuvre nous a tous sidérés. Je vais vous dire comment il la présente et je vais vous faire écouter en même temps le style d'Alain Ferrand parce que en miroir, ensuite, c'est son style que je vais commenter. Nelly Arcand ressemble à un corps céleste qui a produit une trace lumineuse, un météore littéraire, et ce météore a produit plusieurs météorites, c'est-à-dire plusieurs livres. Le premier, Putain, est publié en 2001 aux éditions du Seuil. Deux autres suivent, Folle en 2004, puis À ciel ouvert en 2007, Les clés du paradis et Burkhardtcher. Ils sont publiés après son suicide à Montréal en septembre 2009, à 36 ans. Nelly Arcand est un météore en raison de la fulgurance de son œuvre et parce qu'elle se consume de livre en livre. Météore brillant, lumineux, mais météore mélancolique. Alain Ferrand va nous montrer comment Nelly Arcand, elle hurle sa souffrance d'escort girl dans son premier livre, Putain, où le sexe est décrit brutalement. Mais il va surtout montrer comment l'écriture, elle renvoie à une autre scène cachée, une scène traumatique. Dans l'écriture de Nelly Arcand, l'autre est réduit à son sexe, à des zones corporelles partielles, les yeux, la bouche, le sein, le sexe, et jamais l'autre, jamais l'objet n'est perçu comme objet à part entière. De plus, cet objet, il se démultiplie à l'infini. Il se présente comme milliers d'objets enfilés les uns sur les autres. Voici l'analyse stylistique qu'en propose Alain Ferrand. Il décrit la juxtaposition de phrases courtes, séparées par de simples virgules. Il dit que c'est cela qui fait éprouver la parcellisation de l'objet, comme une forme de contact en pointillé et sans continuité. L'effet de cette forme d'écriture, vous l'avez déjà entendu, c'est une désérotisation radicale. Et Alain Ferrand a toutes les audaces dans son écriture. Il écrit, je le cite, « Deux éléments émergent de cet ensemble, la queue et la bouche. En deçà de leur sens sexuel, ils renvoient à la tétée. » Il faut oser écrire ça. Alors, il nous propose l'hypothèse que ce texte exprime une rythmicité désordonnée associée à un pointillisme froid du toucher. Je vous le donne encore un petit peu à entendre dans son commentaire de Nelly Arcand pour qu'on puisse évoquer ensuite son style. La force de l'écriture de Nelly Arcand, elle résulte de ce qu'elle donne à éprouver en deçà des mots,
par l'effet de la parcellisation et de la discontinuité. Le traumatisme non intégré psychiquement renvoie à un contact précoce discontinu, une fonction utilitariste qui ne tient pas compte des besoins du sujet. La sexualisation du lien au père chez Nelly Arcan a fonctionné comme traumatisme révélateur d'un premier traumatisme. La puberté, avec son cortège de transformation, est venue mettre au premier plan le manque premier, la discontinuité et la dysrythmie initiale. L'anorexie, puis la succession des chirurgies esthétiques chez Nelly Arcan, ont exprimé douloureusement cette disjonction entre la tête et le corps. D'un côté, la sexualisation du lien au père, de l'autre, un corps qui ne se trouve pas, qui se construit mal, faute de continuité tendre du toucher. On est proche de ce que Claude Janin décrit comme le noyau chaud et le noyau froid du traumatisme. Le sexuel machinique ne parvient pas à suturer la blessure. La putasserie, constamment revendiquée par Nelly Arcan, renvoie à son envers, la tendresse perdue et introuvable. La putasserie échoue à renverser l'éprouvée de détresse. Nelly Arcan reste du côté de la mort. Vous entendez le style de l'écriture d'Alain Ferrand. Ce style, il est inimitable. Il est à la fois rigoureux scientifiquement et toujours marqué du sceau d'une inventivité débridée. C'est le style souvent d'un conteur, d'un enchanteur. C'est un style en tout cas qui ne doit rien à un discours préfabriqué qu'on se passe de génération en génération, comme l'écrit Michaud. Alors je vais vous faire part d'un souvenir. C'était juste après l'apparition du livre d'Alain Ferrand et d'Albert Sicone, « Traumatisme, honte et culpabilité ». C'était au début d'une réunion de notre centre de recherche. Comme toujours, il y avait des retardataires. Et comme je venais d'avoir le livre, j'ai joué à ouvrir le livre, à lire chaque fois deux ou trois phrases et à deviner si c'était écrit par Alain Ferrand ou Albert Sicone. On ne sait pas dans le livre. Alors tu te rappelles, Alain, entre A et A, je ne me suis jamais trompée. Alors pourquoi je ne me suis jamais trompée? En fait, c'est très simple. Parce que la phrase d'Alain Ferrand, elle se déploie en volute. Elle prend son temps, son souffle. Elle rêve, elle laisse venir les images, c'est une invitation au voyage, comme c'est court. La rythmique, elle est ample, elle est régulière, elle est envoûtante, avec, de temps en temps, vous l'avez entendu, des formulations lapidaires, une frappe des mots qui va atteindre leur cible en plein cœur. Alors, pour terminer, il me semble impossible de ne pas évoquer avec Alain Ferrand, son approche psychanalytique de l'œuvre de Céline, qui a déjà été parlée tout à l'heure, parce que c'est à partir de là qu'on entend le plus la fécondité de toutes les interactions qu'il établit entre l'œuvre d'art et la clinique. L'œuvre, c'est ce qui ouvre à la compréhension de la clinique, et la clinique, c'est ce qui met en lumière l'œuvre, c'est indissociable. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Alain Ferrand, si vous le lisez, j'ai remarqué que jamais il ne s'intéresse à la psychobiographie de l'auteur si ça n'éclaire pas quelque chose de sa clinique. La psychobiographie n'est jamais convoquée systématiquement. Alors, avec Céline, Alain Ferrand se demande, comme Solers, comment on peut être à la fois un pauvre type, c'est un pauvre type, c'est vrai, et un grand écrivain. Et il ne va pas se perdre dans une quelconque psychopathologie célinienne, ce que beaucoup d'auteurs ont fait. Il va essayer de repérer ce que Céline met en travail et ce que ça lui apporte en tant qu'analyste. Alors, il ne va pas gloser sur l'antisémitisme délirant de Céline. Ça ne présente pour lui aucun intérêt, ça égare le lecteur. Mais son interrogation va être centrée sur les apporte Céline à son écoute analytique et surtout, ce qui l'intéresse, c'est comment Céline s'exprime au lieu même de ce qu'il appelle une mésorganisation de l'affect. Comment Céline contraint le lecteur à explorer des lieux inquiétants de confusion, des lieux où l'émotion, dit-il, ne règne pas encore en affect. Et il va avancer l'hypothèse originale que, comme l'analyste en séance, le lecteur de Céline est coincé dans le monde des émotions crues du patient,
sans transformation possible en affect, ni même en affect partagé, une émotion crue enracinée dans le somatique, un immonde interne, dit-il, déferlé à flot sur le lecteur, de même que sur l'analyste, avec certaines cliniques, bien sûr, pas systématiquement. Et il va faire un parallèle remarquable entre le possible rejet de l'œuvre de Céline par le lecteur, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas lire Céline, et il met ça en parallèle avec une forme de surdité qu'on a parfois chez l'analyste, quand l'analyste est enclin à surinterpréter avec, je cite Alain Ferrand, un possible tir de barrage analytique sur ce fond de surdité, quand il y a une absence de tout partage d'affect possible. Et à l'appui d'une image choc de Céline, l'image c'est « on se dégueule l'un dans l'autre », Alain Ferrand décrit le vomissement comme une modalité organisatrice de l'écriture de Céline. Et il conclut « écrire, comme parler en séance, c'est parfois vomir dans l'autre, y loger sa propre douleur pour qu'elle soit entendue et reconnue ». Et Céline devient, selon son expression, un psychonaute. C'est celui qui explore les zones obscures, inconfortables et parfois abjectes de notre propre psyché. Et c'est à nous, les lecteurs, de les travailler à notre tour, ces zones, de les digérer, de les modeler, de mettre en œuvre notre propre capacité de transformation. Et finalement, tout ça dépend des capacités propres à chaque lecteur, à chaque analyste, de tolérer en lui l'intolérable, de survivre à l'immonde, de se laisser porter vers ces temps et lieux psychiques d'avant l'affect. Alors, je vais finir en... Je me suis dit finalement que c'est Rimbaud qui avait le mieux parlé d'Alain Ferrand. Alors, je vous cite Rimbaud, il nous parle de l'homme et de l'œuvre, d'Alain Ferrand, bien sûr. J'ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or, d'étoile à étoile, et je danse. Vous entendez là le talent d'Alain Ferrand pour les accordages, pour le tissage des liens, pour la transmutation poétique, et son plaisir toujours renouvelé à danser avec les mots, mais à danser avec les loups aussi, car c'est lui qui nous incite toujours à errer du côté des grands créateurs maudits. Céline, Paul Morand, etc., qu'il a réussi à me faire lire, hein, pour nous les faire entendre autrement, en deçà des idéologies simplistes. Alain, il nous ouvre à l'immonde interne de Céline. Jamais il ne cherche à ostraciser l'autre, mais il cherche toujours à s'identifier, même à ses parts les plus obscures, pour en ressaisir la profonde humanité. Alain, merci pour tout, pour tous tes apports, pour ton talent. Et surtout, nous te supplions de continuer à tendre tes cordes d'étoile en étoile.